cette brume se dissipera plus vite, nous serons rentrés pour profiter des résultats de notre travail. Je vous remercie tous d'avoir permis que ce voyage devienne l'une de nos traversées les plus fructueuses. C'est vrai qu'elle est très fructueuse, et c'est pour moi une immense joie. Je suis certain que tu mettras un point d'honneur à faire généreusement l'aumône aux pauvres marins que nous sommes, n'est-ce pas? Attendez, nous avons des marchandises, mais les affaires n'ont pas été bonnes. Je n'ai rien à vous donner, c'est la stricte vérité. Tu mens, espèce de chacal. Non, je t'en conjure, il faut que tu me croies, je n'ai rien qui puisse t'intéresser, rien du tout. Ça y est, je l'ai trouvé, capitaine. Alors comme ça, les affaires n'ont pas été bonnes, c'est bien ce que tu viens de dire. Et moi, je hais les menteurs. Je te donne tout ce que je possède, pirate, je te le jure solennellement, devant les dieux, mais de grâce, épargne-moi! Non, je t'en supplie! Tout le monde à bord! Nous avons exactement ce que nous sommes venus chercher! C'est la pire des faiblesses. Son père, lui, ne les aurait jamais épargnées. Gare à celui qui évoquera une fois de plus la mémoire de mon père. Il a péri inutilement, tout comme ses nombreuses victimes. Heureusement, cette époque est désormais révolue. Nous sommes en route pour des aventures bien plus prospères, et ces hommes seront incapables de me reconnaître. N'ayez crainte. Le roi d'Assyrie m'a chargé d'une mission de la plus haute importance. Alors tous à vos postes! Hissez les voiles et cap sur l'Égypte! Trois tirs dans le mille en une seule journée, c'est carrément un record. C'est pas étonnant pour quelqu'un qui est le meilleur archer de l'école depuis plusieurs mois, n'est-ce pas, Grandpa? Kaba, ils n'en ont pas assez de perdre leur temps. Oh, quelle cacophonie! Mais Rempa, j'ai entendu dire que tu étais aussi un des meilleurs pour conduire un char de combat. Est-ce que tu pourrais m'emmener faire un tour un de ces jours? Oh, mais Rempa, est-ce que tu pourrais m'emmener faire un tour un de ces jours? Eh bien, oui, pourquoi pas? Bien sûr. Oh, merci, c'est fantastique, c'était mon rêve de monter sur un char de combat. Allons-y tout de suite. Attends! Ne remettons pas, demain c'est qu'on peut faire le jour même, comme on dit. Mais... Allez! Salut, Neteb. Je l'emmène faire un tour, j'en aurai pas pour très très longtemps. Surtout, ne t'inquiète pas! Alors, tout se passe comme tu veux, tu t'amuses bien, princesse. Je ne suis jamais autant amusée. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Regardez, c'est lui, c'est le nouvel élève. Chers invités, j'ai l'honneur de vous présenter le tout nouvel élève de notre prestigieuse école. Je vous demande d'accueillir Zélos d'Amourou. Son père est un riche marchand de la province d'Amourou. Il vient d'honorer notre vénérable école de sa très grande générosité. Mon cher Zélos, j'ai l'immense plaisir de te présenter la princesse Neteb, qui est la sœur de l'épouse de Pharaon, la reine Néfertari. Princesse Neteb, mes hommages. On m'avait vanté l'incomparable beauté des jeunes femmes d'Égypte. Tu es la preuve qu'on ne m'avait pas menti à ce sujet. Voici le royaume d'Assyrie, l'empire du roi Salmanazar. Nous avons tout lieu de croire que Salmanazar dispose d'une importante armée de soldats très bien entraînés. Mais nous savons aussi qu'il emploie en permanence des hommes de main pour venir espionner sur notre territoire. Nous en avons capturé quelques-uns pour leur soutirer des informations. Salmanazar est sur la défensive. Pour conclure, nous pensons qu'il ne veut risquer aucun conflit ouvert avec l'Égypte. Comment peut-on en être sûr, maître? Tout simplement parce que ces espions sont efficaces et qu'il sait que l'artillerie que renferme notre grand arsenal a une puissance qu'aucun empire n'a jamais pu égaler. Et il sait donc que nous sommes en mesure de repousser toute attaque. J'ai une question, maître. Oui, Zélos, nous t'écoutons. Maître, il serait bien pour nous tous d'aller visiter le grand arsenal. Cela nous permettrait de mieux nous familiariser avec les armes qui, un jour peut-être, nous seront confiées. Oh, c'est une bonne idée! Cela ne fait pas partie de notre programme, mais bon, je vais voir ce que je peux faire.
Merci, maître. C'est génial. Tiens, bonjour Neteb, justement je... Mais Neteb! J'espère ne pas t'avoir fait trop attendre, princesse. Pas du tout, ne t'inquiète pas, Zelos. J'avais pensé que nous pourrions profiter de l'occasion pour nous promener au bord du Nil. Le paysage est merveilleux quand le fleuve est en crue, je suis sûre que ça te plaira. Tu me combles de bonheur en me permettant de t'accompagner, princesse. Princesse, princesse, pas de cérémonie entre nous, appelle-moi Neteb. Dis-moi, il y a une question que je me pose. Combien de temps comptes-tu rester au Cap? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Un jour, tu comprendras, rassure-toi. Mais pour l'instant, savourons ensemble ce bel après-midi. Le reste n'a aucune importance. Venez goûter les plus savoureux nectars d'Égypte. Des breuvages aux vertus divines désormais à la portée de tous. Lequel d'entre vous aura le privilège de déguster en premier cet exceptionnel don de la nature? Pardonne-moi, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu es blessé? Non, ça va, je n'ai rien de cassé. Mais je ne peux pas en dire autant de ma marchandise. Des mois de travail réduits à néant, je suis ruiné. Je suis à peu près certain que ceci va pouvoir largement te dédommager de tes pertes. Oh oui, je pense que ça devrait aller. Mais cet anneau vaut au moins 10 charretées de ce nectar. Je sais très bien ce qu'il vaut, on va dire que ce brave homme a fait une bonne affaire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Par tous les dieux, oublions cet incident, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier, n'est-ce pas? Venez donc goûter une de mes spécialités artisanales. J'ai de quoi vous redonner du tonus pour toute la journée. Qui pourrait résister à une invitation aussi sympathique? J'ai une boisson préparée selon une ancienne recette que nous sommes une poignée à connaître. Alors, est-ce que vous avez jamais goûté à quelque chose de semblable? Non, ça, jamais, même pas quelque chose d'approchant. C'est vraiment très spécial, il n'y a pas à dire. Un vrai coup de fouet. C'est une boisson exceptionnelle, mais je ne pourrais pas en boire une goutte de plus. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas, ma petite dame. Dites pas que vous êtes ici pour faire la fine bouche. Venez, noble dame des hautes sphères. Venez donc goûter de mon gobelet. Laissez mes hôtes en paix, où allez-vous-en? C'est une maison respectable ici. Ouais, la prochaine fois, il n'oubliera pas de dire s'il vous plaît, hein. Dis donc, toi, et si tu t'éloignais de cette demoiselle et présentais tes excuses à ce brave homme, hein? Zelos! Allez-vous-en avant que je ne change d'avis, espèce de bon à rien. Oh, mes amis, je suis vraiment désolé. Enfin, heureusement que tout se termine bien. Allez! Vous avez mérité un bon rafraîchissement. Une autre fois, ce sera avec plaisir, mais maintenant il se fait tard. Nous devons rentrer. Dis-moi, Zelos, d'où vient cet anneau que tu as donné au marchand? Et puis, où as-tu appris à te battre? Je ne sais rien à ton sujet. Oh, tu sais, Neteb, je suis un homme modeste. Je ne mérite pas tant d'attention de ta part. Ce n'est pas mon avis. Allez, au revoir, Neteb. Au revoir. Mirempa, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai encore le droit de me promener dans Memphis, non? Bienvenue dans l'antre du dieu de la guerre. Et comme vous pouvez le constater, le grand arsenal royal est la preuve évidente que grâce aux techniques secrètes qui se sont perpétuées de généraux en généraux et grâce aux découvertes de nos savants, l'Égypte sera toujours à même de conserver sa suprématie militaire. Et voici notre dernier
modèle. Grâce à ses matériaux très légers, ce char de combat d'une rapidité fulgurante est nettement plus maniable que ceux qu'a utilisé Pharaon pour remporter la bataille de Kadesh. C'est grâce au progrès technologique que l'Égypte a acquis et conservé une supériorité écrasante sur ses adversaires. Ce matériau léger utilisé pour nos chars sera bientôt employé pour nos arcs de combat. La portée sera bien supérieure, le tir nettement plus précis. À présent, vous pouvez l'observer le matériel de plus près. Mais surtout, je vous en supplie, mes chers petits, ne touchez à rien. Cette chaleur finit par tous nous faire crever de soif. Ah, ça, tu l'as dit, cadet. Avec si peu de visiteurs, je présume que vos journées doivent être très longues. Monter la garde devant un arsenal aussi prestigieux vaut bien une petite récompense. Comptez sur moi pour vous rapporter des provisions tout à l'heure. Ce sera un témoignage de la gratitude de Pharaon. Quel plaisir de te revoir, Natar, mon bon vieux Natar. Alors, comment vont les affaires? Oh, pas très bien, hélas. Mon navire a été vidé de fond en comble, pillé par une bande de pirates. Des pirates? Oh, mais c'est terrible! La mer n'est plus sûre de nos jours. Oh, je sais bien, mais l'important est que nous soyons toujours en vie. Oui, c'est vrai. Parlons d'autre chose, si tu veux bien. J'ai besoin de me changer les idées. Et je suis venu célébrer avec vous la fête de la Grande Crue. Souvenez-vous, si votre adversaire s'approche de vous par un angle mort, calez bien votre pied avant de pivoter, sinon vous perdrez l'équilibre. Est-ce que j'ai été clair? Oui, maître, oui. Bon. Je vais avoir besoin de deux volontaires pour faire un combat de démonstration. Ah, Merempa. Maître oh. Bien, puisque tu t'es si vite porté volontaire, je t'autorise à choisir un adversaire. Je combattrai avec lui. Oh non, Merempa. Souviens-toi, Merempa. Ne laisse jamais ta colère te troubler aux dépens de ta concentration. Allez-y. Nous allons enfin savoir si tu es à la hauteur de la réputation que t'ont fait tes compatriotes. Oh, je suis à peu près sûr de ne pas te décevoir. J'avais remarqué, maître. Et c'est ça qui m'ennuie, justement. Ah, te voilà, j'ai cru que je te reverrais jamais. Est-ce que tu as reçu les marchandises d'Assyrie ? Oui, voilà leur fameux nectar. Et ne te trompe pas, celui-là apaise les âmes en peine. Et celui-ci, celui-ci a l'avantage d'enflammer les longues veillées. Ne te fais aucun souci, j'en ferai bon usage. Rendez-vous au port dans 2 heures, compris? Entendu. Neteb? Oh, tu étais là? Je t'ai cherché partout. Et j'ai vu ce qui s'est passé au Keb tout à l'heure. Zelos, pourquoi as-tu laissé Merempa gagner? Moi, le laisser gagner? Mais non, pas du tout. Il était beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide que moi, c'est tout. Mm-hmm. Non, c'est faux. Croyez-moi, il me regardait droit dans les yeux. Et ce regard glacial, je ne pourrai jamais l'oublier. Zelos, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je t'ai vu te battre contre Merempa et je suis certaine... Non, Neteb, je t'assure. Excuse-moi, jeune homme. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ce serait très étonnant. Je suis à Memphis depuis peu de temps. Et je ne connais encore personne à part la princesse. Neteb. Oh, noble princesse. De grâce, pardonne-moi, je suis navré, mon garçon. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Je me suis trompé. Ah oui? Et pour qui? Pour un pirate qui pille régulièrement les navires marchands et dont le seul nom glace le sang de tous les commerçants du pays. Ça alors? Je n'avais pas réalisé que j'avais l'air aussi barbare. Neteb, permets-moi de prendre congé.
J'ai promis à quelques camarades qui ne peuvent assister aux festivités de leur apporter ceci. Je te retrouverai plus tard. Encore une fois, je suis navré de t'avoir dérangé, princesse. C'était le fruit de mon imagination. Connais-tu le nom de ce pirate, Natar? Irim, fils de Malovim, le pirate le plus redoutable que j'ai jamais connu depuis que je fais ce métier. Merci, Natar. Heureux de voir que tu tiens tes promesses. Toujours. J'ai apporté avec moi un petit témoignage de la gratitude de Pharaon. Mais Pharaon ne nous a jamais offert à boire jusqu'à maintenant. Ramsès regrette simplement que vos obligations vous empêchent de prendre part, avec les autres, aux festivités de la fête de la Grande Crue. Il espère que cet excellent nectar vous sera de quelque consolation. À votre santé. Merci. Comme un petit chien. Mirepa, ça ne me fait pas rire. Ah non? Est-ce que tu aurais un problème avec ton cher étang? Je crois qu'il manigance quelque chose. Eh bien, je ne pensais pas que cela produirait un effet aussi rapide. Je constate que le nectar assyrien est toujours à la hauteur de sa réputation et que lui aussi sait tenir ses promesses. Quant au fabuleux arsenal de Pharaon et tous ses secrets militaires, je ne leur souhaite qu'une seule et dernière chose. Que ce nectar du désert les détruise à jamais. Traître! Je vais enfin pouvoir terminer ce que j'ai commencé au Caire. Attends un peu, tu n'as encore rien vu. Je suis vraiment désolé que notre belle amitié s'achève de cette façon. Oh, merci. Du liquide inflammable? Je suis prêt à parier que notre ami avait l'intention de mettre le feu à l'arsenal. Tu ferais mieux d'aller alerter les gardes. Et si jamais il reprenait connaissance? Non, non, je ne te laisserai pas ici toute seule. Tu peux partir tranquille, il n'est pas prêt de se réveiller. Bon, je reviens tout de suite. Oh, ma tête! Reste où tu es! Irim! Maintenant, tu sais tout. Eh bien, vas-y, Neteb. Lance la torche. Je préfère que tu m'envoies rejoindre les dieux plutôt que de finir ma vie comme un pauvre malheureux au fin fond des mines de cuivre de Pharaon. Ou même encore pire, avouer mon échec au roi, Salmanazar. Oh! Alors, il t'a envoyé au Cap pour mettre le feu à l'arsenal? Reviens pas, je ne veux plus jamais te revoir en Égypte. Je n'ai jamais eu la moindre intention de te blesser. Va-t'en, je t'en prie. Au revoir, Neteb. Où est-il? Par où s'est-il enfui? Vous pouvez vous retirer, c'était une fausse alerte. Il ne s'agissait que d'un soldat un peu trop excité par les festivités. On vous a dérangé pour rien, c'était une erreur. Oui, une grave erreur.
Maintenant, au moins, on est tranquille. Il ne pourra plus venir piller nos navires. Mais de qui parles-tu donc, Natar? D'Irim, princesse Neteb. Son complice a été arrêté durant la fête tout à l'heure. Quant à lui, on a retrouvé son navire au large. Ou plus précisément, ce qu'il en reste. Rien que des débris de coque à la surface de l'eau.